Et je vais donc demander à Monsieur Chacaire de venir me rejoindre. Lionel Gallant vient de parler donc de l'importance de la géographie linguistique chez André Basset. Monsieur Chacaire va justement nous parler de la dialectologie berbère, plus que jamais une urgence. Je vous donne la parole. Merci. Alors, bonjour à tous. Oui, c'est un plaisir d'intervenir à cette occasion donc devra se répéter, devenir une habitude. Et surtout, je voudrais commencer par dire combien il est agréable de voir une assistance conséquente, hein, nous qui. Du temps, je n'ai pas connu Basset, j'étais trop jeune, mais j'ai connu Lionel Gallant à partir de 68, ses cours au Lanxo, et je peux vous dire que, effectivement, comme l'a dit gentiment Lionel Gallant, dans ces périodes-là, les effectifs des cours de berbère n'étaient pas pléthoriques. Fonctionner avec 3, 4 personnes, hein, encore dans les années 70. Hein, voilà. Donc là, on a quand même le plaisir de voir des salles, sinon combles, en tout cas bien fournies, et beaucoup de visages connus et amis qui, au fond, perpétuent et consolident, renforcent cette tradition initiée par André Basset. Alors, la dialectologie berbère, plus que jamais une urgence, effectivement, c'est à la fois un hommage à André Basset, bien sûr, mais aussi, je dirais, une réflexion sur l'état des études berbères et les perspectives. Alors, je crois qu'on peut commencer, je dirais, essentiellement des généralités, hein, que vous connaissez tous, mais qui peuvent peut-être servir de base à une discussion, à un débat. La question de la variation s'est imposée très très tôt dans les études berbères. Hein. On la voit apparaître vraiment dans les toutes, je dirais, dès la deuxième moitié du 19e siècle, c'est-à-dire au fond dès qu'on commence à produire des synthèses un peu réfléchies, non strictement utilitaires comme l'ont été les premiers glossaires, etc., dès qu'on commence à produire des synthèses sur la langue berbère un petit peu réfléchies, raisonnées et qui soient un petit peu, je dirais, déjà académique, hein, et pas simplement utilitaire, on voit apparaître cette question je dirais, cet intérêt pour la variation. Je dirais que le premier repère qui est très clair, c'est Hanotaux. Hein. Hanotaux qui, tout en ayant cette logique, Adolphe Hanotaux, s'engage dans une logique de production d'ouvrages de référence. En sociologie, hein, en partie sur la Kabylie, mais aussi sur la langue, hein, sur le Kabyle, le Touareg, etc. Mais il s'agit d'ouvrages qui se veulent des grammaires, hein, des ouvrages de référence, mais en même temps, immédiatement, on voit, il suffit de voir l'essai de grammaire kabyle de 1858, hein, qui est réédité, il y a une deuxième édition en 1906, on voit immédiatement apparaître au-delà. Je dirais, de la présentation des grandes lignes de la grammaire, on voit apparaître la variation. Hein. En particulier, si vous regardez à la fin de l'essai de grammaire kabyle de 58, 1858, donc, vous voyez toute une série de textes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la variation, elle est tout de suite intégrée et perçue à deux niveaux. Au niveau berbère, puisqu'on va avoir des textes en annexe, il va nous donner des textes touareg, mozabite, du chinois, chaoui, dewarkla,
du Maroc, du Rif et du domaine Chleu, mais aussi intra-dialectal, puisqu'il va nous fournir, il va donner dans ce premier ouvrage, des textes représentant différentes variétés du Kabyle. Hein. On a le Zouaoua, comme on disait, c'est-à-dire le Kabyle, disons, de la Kabylie du Djurdjura, qui était quand même qui s'est très tôt imposé comme la référence. Hein. Mais on a aussi des parlers d'Atourlis, enfin de deux ou trois textes d'autres variétés. Donc très très tôt, en fait, on voit que la variation est, je dirais, un aspect de la linguistique berbère qui est pris en charge hein, par les premiers berbérisants occidentaux. Les choses, évidemment, sont non moins nettes chez René Basset, hein, qu'on a évoqué, hein, le père d'André, puisque là aussi, René Basset et toute cette période finale du 19e siècle, début du 20e, tend à fournir des ouvrages de référence sur les différentes variétés du berbère, mais en même temps, elle intègre immédiatement la variation, hein, en fournissant souvent, bon, je suis très clair dans l'œuvre de René Basset, des textes et des collectes lexicales de parler très divers. Hein, vous avez le Roman berbère, etc., avec des textes collectés dans des régions extrêmement diverses. Mais même dans ses ouvrages de référence, là aussi, on le voit très bien chez René Basset, mais on va le voir aussi chez Lahouste, hein, c'est très clair, hein, c'est un petit peu c'est la même génération, légèrement décalée. Même dans les ouvrages de référence, on voit qu'il y a une intégration de la variation. Hein. Ce sont très souvent études sur ce sont des études comparées entre deux ou trois ou quatre formes, variétés régionales de berbère. Hein. Je pense à Lahouste qui va comparer. D'ailleurs, ça s'appelle souvent études de comparer du parler du chénois, d'Ibn Nassar, d'Ibn Salah, etc. C'est pareil chez René Basset, hein, c'est l'étude de l'Aznatia, de l'Ouarsonis, de ceci, de cela, hein, de l'Ouedmzab, de Wargla et de l'Ouedrir. Hein. Il y a donc d'emblée, au fond, hein, très très tôt, les études berbères intègrent cette question de la variation, non seulement donc à l'échelle globale du berbère, mais même au niveau interne aux régions, aux variétés régionales berbères, hein, qui est très très clair avec ses collections de textes dans différentes variétés de Kabyle ou de ceci ou de cela. Hein. Alors évidemment, on comprend très bien pourquoi. C'est parce que les études berbères modernes, en tout cas occidentales, hein, telles qu'elles se sont trouvées confrontées immédiatement à une situation de diversité et de fragmentation, et surtout à une situation qui était sans doute, je dirais, une situation de fait très particulière, c'est l'absence de normes instituées. Hein. Il est évident que si les berbères avaient disposé d'une norme instituée, les berbérisants seraient, je dirais, très probablement calés dans les vieilles traditions orientalistes, hein, comme on avait l'arabe classique, on avait le persan, on avait ceci. Là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de forme de normalisée, de normes instituées. Donc, ils sont confrontés sur le terrain, hein, directement, à des variétés nombreuses et qu'ils sont immédiatement amenés à décrire. Et tout en affirmant aussi, ça aussi, vous le savez bien, hein, elle est très ancienne, elle remonte vraiment, déjà, elle est parfaitement constituée chez Aneto, et même avant, en réalité, hein, même avant, hein, on la voit déjà chez Venture de Paradis, malgré cette attention à la variation et à la diversité, hein, y a cette affirmation de l'unité profonde de la langue berbère, hein, qui est constituée aussi extrêmement tôt. Hein. Donc, au fond, on a une espèce de dialectologie, d'approche de la variation un peu spontanée qui est dictée par un rapport, j'allais dire historique, à une situation de fragmentation. Hein. Ils sont là devant ces choses extrêmement diverses sur un territoire sous domination française. Bon, ben, on décrit cette variation, mais je dirais,
on est dans une approche qui est un petit peu spontanée et pragmatique. Hein. Il faut vraiment attendre, comme vous le savez, comme ça a été dit déjà, il faut attendre André Basset pour avoir un vrai projet dialectologique. Hein. Un vrai projet dialectologique avec, je dirais, ces enquêtes à la fois très systématiques sur des régions comme la Kabylie, hein, son atlas de la Kabylie, et des choses beaucoup plus amples comme l'atlas des parlers berbères de l'Algérie du Nord, hein, 1936-1939, qui reste absolument, comme l'a dit effectivement dans son propos qui a été lu, Lionel Galland, qui reste souvent pour certains parler des références incontournables et qui n'ont pas toujours été suffisamment exploitées. Hein. Et références incontournables, je pense par exemple à l'atlas linguistique de l'Algérie du Nord, parce que pour beaucoup de parlers, c'est la seule et la dernière information dont on dispose. Je pense à l'Ouarsenis, par exemple. Hein. Depuis, il n'y a rien sur l'Ouarsenis. Hein. Tous ces petits parlers. Bon. Donc, des projets régionaux comme la géographie linguistique de la Kabylie, des projets de beaucoup plus grande ampleur comme son atlas linguistique des parlers de l'Algérie du Nord, hein, qui est vraiment un passage obligé, y compris d'ailleurs, bon, on en a beaucoup parlé avec pas mal d'entre vous qui avaient fait des travaux de dialectologie ou de géographie linguistique, je pense à Malek par exemple, hein, qui reste une base, une référence, parce que là, on a véritablement un témoignage daté et précis, vérifié sur le terrain, un, de la présence du berbère, hein, parce que souvent, on ne sait pas s'il y est encore ou non, hein, s'il est encore en usage ou non, et deux, de formes linguistiques berbères recueillies sur place. Hein, in situ. Donc, ça reste, pour beaucoup de parler, un passage, un point de départ. Hein. Et bien sûr, toutes ces enquêtes aussi à très grande échelle sur le monde touareg, hein, qui sont tous ces travaux de dialectologie plus ponctuels, si vous voulez, sont regroupés dans les articles de dialectologie berbère, où, au fond, Basset, de manière très systématique, à la fois a fait de ce que nous appelons de la géographie linguistique, hein, avec de la cartographie systématique, mais aussi des études plus ponctuelles sur des champs lexico-sémantiques dont il va étudier les variations, la distribution soit l'ensemble du monde berbère, soit dans une région. Vous avez dans les articles de dialectologie berbère beaucoup, hein, d'études très précises sur un mot, sur un champ lexico-sémantique. Vous connaissez tout ça. Donc, c'est, je dirais, quelqu'un qui avait un vrai projet de dialectologie berbère et d'études systématiques de la variation. Hein. Et c'est pas simplement, comme vous le savez, c'est pas simplement son apport à ce niveau-là, n'est pas simplement en termes de données, hein, ou de données datées et situées, hein, c'est aussi souvent le début de la prise de conscience d'un phénomène sur lequel je reviendrai longuement tout à l'heure, qui est au-delà de l'affirmation de l'unité profonde, hein, qui nous vient du tout début du 19e siècle, et je dirais même de Venture de Paradis, hein, au-delà de cette affirmation, c'est la prise de conscience de l'extraordinaire variation et diversité. Hein. J'ai toujours été frappé, par exemple, ces enquêtes sur le monde touareg, hein, où il montre très clairement, enfin, il donne des chiffres, hein, que je cite de tête, hein, mais vous les retrouverez facilement, par exemple, où il compare on disposait à son époque, et jusque dans les années toutes récentes, hein, du seul dictionnaire de Charles de Foucault comme référence solide. Hein. Donc, sur le parler de la Tamahak, donc des Touaregs du Nord. Hein. Et il faisait des pointages qui étaient tout à fait impressionnants. C'est-à-dire qu'une proportion, à la fois verbe et nom, il trouvait plusieurs centaines de verbes et plus d'un millier de noms qui n'étaient pas dans ces enquêtes faites chez les Touaregs méridionaux, qui n'étaient pas
attesté dans le dictionnaire Charles de Foucault, donc sur la Haga. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, ces travaux, au-delà de l'ensemble des données factuelles qu'elles nous apportent, qui peuvent servir de base à beaucoup de choses, hein, y compris en linguistique historique, au niveau de la reconstruction des formes, etc., à travers le suivi de la variation, on peut, bien entendu, hein, la dialectologie est le premier pas dans nos domaines vers la diachronie, bien sûr, mais ces enquêtes ont montré aussi l'extraordinaire diversité, le degré de diversité peut-être beaucoup plus important qu'on pouvait l'imaginer, hein, jusque-là. Hein. Je crois, enfin, je cite de tête, mais c'était de l'ordre de plus de 500 verbes qui n'étaient pas attestés, qu'il avait collectés, qui n'étaient pas attestés en Ahagar, et près d'un millier de noms qui n'étaient pas attestés. Hein. Donc ça donne quand même, vous voyez, des ensembles. Vous voyez, tout ce que ça dit au niveau méthodologique et au niveau de nos approches, quand on prend le Touareg Ahagar comme une référence, bon, certes, mais c'est une référence particulière, hein, ça n'est pas le Touareg, hein, ça n'est pas le Touareg. Et j'y reviendrai parce que là aussi, hein, on en arrive à se dire, ben, le Touareg, ça n'existe pas, le Kabyle, ça n'existe pas, le Techlaït, ça n'existe pas. Hein, on va y revenir. Voilà, donc des travaux à la fois de grande ampleur par au niveau géographique, par la richesse des matériaux, par la richesse des informations, et en particulier les informations donc sur les usages, l'usage réel sur le terrain du berbère. Alors, bien entendu, ces travaux d'André Basset, de géographie linguistique, de dialectologie, sont des travaux qui s'inscrivent dans son époque. Hein. On faisait de la dialectologie, de la géographie linguistique, des atlas linguistiques, dans la tradition lancée par les Allemands à la fin du XIXe siècle, par les Français, à l'atlas linguistique de la France, etc. Hein, c'est-à-dire qu'on travaillait essentiellement sur le lexique. Hein. On prenait un champ lexico-sémantique, les noms des parties du corps, les noms d'animaux domestiques pour l'Algérie du Nord, par exemple, et puis on vérifiait partout. Donc, très centré sur les aspects lexicaux. Bien entendu, le lexique nous donne aussi des informations phonético-phonologiques, ça va de soi. Hein, on peut construire des cartes phonético-phonologiques à partir de ce lexique, en tout cas, même si elles sont incomplètes. En tout cas, certains phénomènes peuvent être suivis. Mais bien entendu, dans cette tradition ancienne de géographie linguistique, d'études de la variation, cette focalisation sur le lexique fait que on a peu d'informations sur le reste. Hein? Bon. Alors, après cette période de Basset, qui donc magnifiquement bon, d'études extensives, à la fois extensives et ponctuelles, hein, autour de champs lexico-sémantiques, etc., on a une période, la période, disons, post-indépendance, qui va, pendant au moins 25 à 30 ans, prendre une autre orientation. Qu'est-ce qui se passe en fait après les indépendances? Ces tout grands travaux, ces grands projets de, ne sont pas relayés. On va assister entre les années 60 et 90, comme vous le savez aussi, bien sûr, à une multiplication, petit à petit, hein, la montée en puissance, comme vous le savez, elle commence dans les années 70, fin des années 70, de monographies descriptives, hein, alors avec une quasi-disparition de cet intérêt pour la variation, pour la dialectologie, pour la géographie linguistique, hein, mais je dirais qu'elle est relayée par cette multiplication progressive, en particulier à travers les dizaines et dizaines de thèses de doctorat en linguistique berbère qui vont être préparées, en particulier sous la direction de Lionel Galland, mais souvent en France, parfois aux États-Unis ou en Angleterre, hein, plus rarement. Va être relayé donc par ces monographies descriptives de toute nature, phonético-phonologiques, morphosyntaxiques, éventuellement lexicales. Hein. Donc on n'a plus
ce projet un peu d'ensemble, hein, en tout cas plus élargi, mais des regards beaucoup plus focalisés, beaucoup plus approfondis. Et là, effectivement, je dirais que cette multiplication, on était arrivé, je crois qu'on s'est arrêté dans nos décomptes en 2006 ou 2007, on avait plus de 120 thèses soutenues, dont 90 en linguistique, et là-dedans, la grande majorité était des monographies descriptives. Hein. Donc, on a un nouveau type d'information plus approfondie, plus spécialisée, hein, phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, etc. Hein, et surtout, ce qui est un apport à la connaissance, si vous voulez, de cette variation, hein, indirecte, ce n'est pas l'objet, hein, on va y revenir, mais elle nous apporte quand même une information considérable sur la variation, hein, dans cette, je dirais, pour la dialectologie générale du berbère, c'est que effectivement, on a un maillage du territoire, du terrain berbérophone, qui se diversifie, qui se complexifie et qui s'enrichit de façon tout à fait considérable. Hein. Bon, on a des regards approfondis sur des variétés qui étaient jusque-là très très peu documentées ou pas du tout documentées, hein, ou qui étaient documentées par des choses très anciennes et vieillies. Hein. Bon, là, vous connaissez tous les publications. Là, en fait, l'intérêt de cette période, si vous voulez, je dirais qu'il est double. C'est 60-90. Elle densifie le maillage du territoire, elle le diversifie, hein, et elle approfondit le regard, hein, le regard, la connaissance de ces variétés. C'est-à-dire qu'indirectement, elle contribue très très puissamment à une meilleure connaissance dialectologique, hein, la dialectologie générale du berbère. Alors, les raisons, vous les connaissez toutes, il y a deux raisons fondamentales qui expliquent cette espèce de réorientation, hein, vers les travaux d'approfondissement. C'est évidemment donc la montée des berbérisants autochtones, hein, des indigènes qui se mettent, qui fait que les descripteurs sont beaucoup plus nombreux. Hein. La période coloniale, c'était quand même un nombre très limité de gens. Hein. Ça se comptait sur les doigts des deux mains au maximum à l'échelle mondiale. Hein. Il ne faut pas oublier ça toute la période coloniale, les berbérisants à l'échelle mondiale, c'était les doigts des deux mains, pas plus. Hein. Hein. Donc là, il y a une multiplication, une progressive des chercheurs, hein, qui du côté marocain principalement, hein, les gens d'origine marocaine, un petit peu moins du côté des Algériens dans ces périodes-là. Il y a un autre aspect évidemment sous-jacent, donc, que je viens d'évoquer, qui est le fait qu'on a des descriptions approfondies de variétés berbères qui n'étaient pas du tout documentées. Donc, montée des autochtones. L'autre raison, évidemment, qui explique cette orientation, bon, elle est liée à l'histoire de la linguistique et de nos formations. Hein, beaucoup d'entre nous en sont, et j'en suis une illustration parfaite. Nous sommes des berbérisants indigènes qui travaillons sur notre parler, nos parlers, nos idiolectes, notre village, notre tribu, etc. Ce qui, effectivement, à la fois multiplie, mais en même temps, développe une approche dans le cadre des courants de la linguistique de l'époque, et en particulier du structuralisme, dont l'un des principes méthodologiques fondamentaux, c'est l'homogénéité du corpus et la description d'un système, et non pas de faits isolés. Hein. Je crois que là, on le voit très très bien dans cette période 70-80. Hein. Donc, on s'intéresse moins à la variation et aux variations de données ponctuelles, lexicales ou autres, que à, je dirais, cet objectif général de la linguistique structurale et post-structurale de décrire des systèmes, hein, plutôt que des
de suivre la, la variation de phénomènes particuliers. Hein. Donc il y a toute une période de ce type qui durait une bonne 25, un bon quart de siècle. Hein. Un intérêt pour la variation, pour la dialectologie proprement dite, en tout cas en tant qu'étude de la variation sur le terrain. Bon, il faut attendre, en gros, les années 90 pour le voir timidement réémerger. Et bien entendu, s'illustrer remarquablement dans les années, au tournant des années 2000, à travers de grands travaux de géographie linguistique, d'atlas linguistique, bon, que vous connaissez tous sur le RIF, de dialectométrie, etc. Hein, tous les, bon, je dirais que si je devais historiciser très précisément, le premier travail, et là ça me permet de faire la transition avec mon expérience personnelle, et le cœur de ce que je voulais vous dire, c'est vraiment le petit travail de magister, disait-on à l'époque, de Ralph Medoui à Bougie, hein, de géographie linguistique sur la vallée de la Soummam, hein, où là, on a vraiment une mutation, hein, je pense que c'est là que ça se dessine, c'est-à-dire une dialectologie, une géographie linguistique qui essaye non plus de... non pas, comme c'était le cas jusqu'à présent, d'étudier la variation de matériaux lexicaux, mais d'avoir une vision plus complète en intégrant des paramètres de différents niveaux du système linguistique, phonético-phonologique, morphosyntaxique et lexicaux. Hein, où là, c'est, je crois, le premier travail publié, me semble-t-il, hein, et qui va, bon, je dirais, amorce malheureusement, Ralph n'a pas poursuivi, mais on voit, donc ça date du milieu des années 90, et après, bon, un certain nombre de personnes prennent le relais à grande échelle avec le magnifique atlas linguistique du RIF de Menal Afrioui, avec les travaux de dialectométrie initiés par Kamal et sur la Kabylie, sur d'autres régions, etc. Les travaux, la thèse de Boudjellal sur le Chaoui, le travail de Guérab sur de dialectométrie kabyle. Là, on a véritablement une approche de la variation plus systémique, je dirais. Hein, on n'est plus dans je prends tel mot, puis je regarde comment il est. Hein, et avec des résultats tout à fait intéressants. Alors, je reviens, j'ai évoqué le Bougie et le nom de la famille. Pourquoi? Parce que tous ces travaux descriptifs de la période 60-90, au fond, ils nous ont apporté quoi? Au-delà des matériaux, des données nouvelles, etc., d'une meilleure couverture du terrain, c'est, je dirais, deux choses qui me paraissent fondamentales et qui ne sont pas sans implication immédiate par rapport aux problèmes actuels d'aménagement, d'enseignement, etc. Que nous ont apporté ces travaux de description plus approfondie des années 60 à 90 ? Et ultérieure, bien sûr, c'est un, la prise de conscience du degré de la diversité beaucoup plus important qu'on ne le pensait jusque-là, hein, du berbère. La variation est quelque chose de beaucoup plus marqué au niveau global, mais aussi, et ça va être surtout les années 90, et là pour moi ça a été une expérience exceptionnelle pour le Kabyle, l'extraordinaire diversité interne de ce que nous appelions dans la vieille tradition berbérisante les dialectes. Hein. Donc je dirais un degré de variation, de diversité beaucoup plus marqué au niveau global, entre variétés, et à l'intérieur des variétés.
Je dirais que jusque-là, jusqu'aux années allez, 70, 80, on vivait tous, enfin, ma génération, sur une image du Herbert construite autour, en gros, du Tachlahit de Destin, c'est-à-dire du Tachlahit d'Issous, du Touareg de la Hagar, c'est-à-dire Foucault, et du Kabyle des Ouawa, comme on disait. Hein, bon, en gros, de la grande Kabylie, de la haute Kabylie, la Kabylie du jour du rat. Hein, Travers, Boulifa, Mamri, etc. Bon. Et d'un seul coup, tous ces travaux nous ont apporté un ensemble de phénomènes tout à fait inattendus, tout à fait inconnus, méconnus, et dans tous les domaines. C'est-à-dire que il me semble que ce qu'ils nous ont apporté, c'est qu'au-delà de l'autre versant d'ailleurs de l'œuvre d'André Basset, de l'unité morphologique profonde, hein, Lionel Galland a parlé du verbe, c'est vrai que c'est un morceau essentiel dans l'œuvre de Basset, au-delà de l'unité morphologique profonde, hein, c'est l'extraordinaire diversité fonctionnelle et synchronique en réalité, et derrière l'unité morphologique, hein, à travers le verbe en particulier, puisqu'on parlait de Basset, elle est quand même de nature essentiellement diachronique. Quand on regarde le détail des fonctionnements, on s'aperçoit de quoi les travaux de tout ce que j'ai évoqué, ben que le système verbal, bien sûr, qu'il y a un système de... D'abord, on s'aperçoit qu'il existe un inventaire thématique, si on prend l'exemple du verbe, un inventaire de thèmes verbaux qui n'est pas homogène à l'échelle du monde berbère. Il y a des parlers qui ont un aoriste intensif négatif et on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus largement distribué qu'on le pensait, par exemple. Hein, mais au-delà des aspects morphologiques, on s'aperçoit que derrière l'unité morphologique, les fonctionnements sont très différents. Hein, prenons le cas de l'aoriste. Bien sûr, il y a un thème d'aoriste dans le système verbal partout. Mais son fonctionnement en Tachlahit et en Kabyle est très différent. Hein, de même, quand on dépasse le niveau de ces thèmes, on s'aperçoit qu'il y a des tas de formes secondaires qui apparaissent, de formes préverbées. Hein, les rades de Nouchle, les tours, tourades de nos rifins ou de nos Kabyles orientaux, etc. Des marqueurs de passé, des marqueurs de futur, etc. Il y a une démultiplication au fond. Je dirais que l'unité morphologique donc diachronique en fait, cache des fonctionnements et derrière des formes apparentes, identiques, se cachent des fonctionnements synchroniques extrêmement divers. Hein, un exemple, on va dire le préverbe ad de non réel, de non effectif, de potentiel, de ce que vous voudrez, de futur. Préverbe ad, bon, il est quasiment, on verra tout à l'heure que ce n'est pas vrai, bien sûr, vous le savez, panverbère. Le seul problème, c'est qu'il ne fonctionne pas du tout de la même façon si on est en Kabyle ou si on est en Tachlahit. Hein? Donc derrière des... Au fond, tous ces travaux approfondis nous ont apporté une connaissance beaucoup plus fine de la variation qui dépasse les formes, hein, pour toucher au fonctionnement. Hein? Pour toucher au fonctionnement. L'autre enseignement qu'elles nous ont apporté, c'est l'extraordinaire diversité interne de ce que nous appelons les dialectes. Hein. C'est pour ça que je me suis permis cette boutade, c'est souvent, les formules sont souvent, résument souvent bien des thèses complexes. Ben, le Kabyle, ça n'existe pas, tout simplement. Hein. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on a regardé de beaucoup plus près la diversité, on s'aperçoit qu'il existe des formes de Kabyle qui ne présentent pas les traits qu'on pensait spécifiques au Kabyle, hein, à partir des formes, je dirais, qui historiquement ont constitué la forme de référence, hein, du Kabyle, de grande Kabylie. On va s'apercevoir, c'est tous les travaux de ceux qui sont maintenant nos collègues, nos étudiants de Bougie, par exemple, ou Tizi Ouzou, hein, on va s'apercevoir qu'il y a des parlers kabyles qui n'ont pas d'affriction, qui n'ont pas de la biovélarisation,
qui n'ont pas, même des parlers kabyles, qui n'ont pas de spirantisation, ou en tout cas de manière très marginale. Hein. Donc des traits qui nous semblaient absolument fondamentaux du kabyle, identificatoires, hein, je dirais, du kabyle, n'existent pas hein, dans des régions, dans des parties de la région qu'on appelle la Kabylie. Hein, et on peut multiplier les cas. Je cite de la phonétique parce que. Prenons le cas de la négation. Hein, je me souviens d'un des premiers travaux de la Bahi à Pougy, dans les années 90, sur la négation. On s'aperçoit, bon, nous, Kabyles, de grandes Kabylies, nous portions, bon, il y a un morphème de négation fondamentale, or, avec différentes variations phonétiques conditionnées, et puis un second élément, un rein. Bon, qui peut être présent ou pas présent selon les contextes syntaxiques et discursifs, bon, enfin bref. Et puis on s'aperçoit qu'il y a au moins 5 formes de négation différentes en kabyle. Hein, et sans, je dirais, des ourani, des oula, etc. etc. Hein. Donc, au fond, tous les traits, beaucoup de traits qu'on considérait comme vraiment définitoires d'une variété s'effondrent, ou en tout cas, et ça nous ramène à une réalité historique et sociolinguistique évidente, hein, qu'on a trop tendance à oublier. En fait, ce sont les études berbères, c'est le regard extérieur qui a créé ces ensembles. Hein. On sait très bien que le talifite, ça n'existe pas. Ce sont les études berbères qui le créent. Hein. Y compris d'ailleurs sur le plan des représentations traditionnelles, localement, cette notion est plutôt douteuse. Hein, parce qu'en fait, les régions berbérophones, aussi chose qu'on oublie trop souvent, nos régions berbérophones, au fond, existent dans le regard extérieur, que ce soit celui des descripteurs hein, ou celui des arabophones, enfin des non-berbérophones de la région. Donc il y a Arbaïl, il y a Chaoui, il y a ce que vous voulez, etc. Mais en interne, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc une diversité beaucoup plus grande qu'il n'y paraît, au point où finalement, et là c'est là où je voulais boucler la boucle, on en revient à la fameuse phrase qui a parfois été reprochée à Basset, ben, au fond, les dialectes, ça n'existe pas. Hein, il y a une poussière de parler, en tout cas en termes linguistiques. Hein, au niveau linguistique, il est bon, j'ai pris le cas du Kabyle ou du Rifaan du Touareg, mais on aurait pu prendre le Maroc central. Maroc, le Tamazirt, bon, sur le plan linguistique, c'est extrêmement difficile à identifier. Hein. Vous avez des parlers Tamazirt qui sont beaucoup plus proches du Tachelhit, des parlers Tamazirt qui sont beaucoup plus proches du Rifaan, etc. Hein. Avec des traits structuraux, vraiment, qui les différencient très fortement. Hein. Et c'est ce qu'ont apporté toutes ces descriptions. Hein. Donc, d'une certaine façon, ces entités régionales sont des entités régionales, certes, peut-être, mais au niveau linguistique, c'est pas évident de les définir. Hein. En tout cas, au niveau linguistique strict, c'est pas évident de définir ce que peut-être les Kabyles par rapport au Chaoui ou par rapport au Chinois, etc., ou à d'autres variétés. Et que finalement, le niveau d'existence réel est plutôt sociolinguistique et socioculturel, voire sociopolitique. Hein. Voilà. Donc, et ceci n'est pas sans importance. Bon, on pourrait multiplier les exemples, hein, mais je ne voudrais pas parler peut-être très, très, trop longtemps. Hein. Je crois que. Il faut vraiment être bien incité sur cette question, hein, derrière ces unités, cette unité apparente, enfin, cette unité réelle, morphologique, se cachent des systèmes synchroniques extrêmement différents. Je pense, enfin, vous avez tous, beaucoup d'entre vous, suffit de prendre en parallèle les systèmes verbaux, vous partez de la même base thématique, et puis on aboutit à des systèmes extrêmement divers, y compris à l'intérieur d'une variété dialectale, hein. Une variété régionale. Hein. Bien. Tout ceci, évidemment, nous amène à mes
propos de conclusion, si vous voulez, qui est que c'est pour ça que j'ai intitulé mon intervention « La dialectologie, plus que jamais une urgence ». Je crois qu'il est vraiment important de bien prendre la mesure de cette variation à la fois au niveau global et interne pour différentes raisons. Hein. La première, c'est que un certain nombre de des variétés régionales sont lourdement menacées. Hein. Je pense à tous les isolats sahariens, tunisiens, de l'ouest et du centre algérien, hein, qui sont des langues vraiment menacées de disparition. Là, hein. Donc on ne sait plus, même si certains d'entre eux, je pense aux Benisnous, je pense à, quand on pense aux Benisnous qui ont été si magnifiquement documentés au début du XXe siècle et dont il semble rester quelques locuteurs, hein, un nombre qui se compte sur les doigts des deux mains. Hein. C'est pareil pour l'Ouarsenis. J'ai trouvé, oui, contrairement à ce qu'avait écrit Lionel Galland, j'ai trouvé encore très récemment une locutrice, hein, du berbère de l'Ouarsenis, près de 90 ans. Hein. Bon. Donc, la dialectologie me semble une urgence parce que beaucoup de ces parlers sont, tous ces isolats, menacés. Deuxièmement, parce que les sociétés traditionnelles rurales sont très profondément menacées. Hein. Et qu'il y a quand même un effondrement général du monde rural berbère, hein, n'est jamais oublié, je ne connais pas les chiffres, c'est les derniers chiffres, mais enfin, aux indépendances, on était en Algérie comme au Maroc, à 85% de ruraux, hein, on est actuellement dans des proportions qui sont quasiment inversées. Hein, on est plutôt dans l'ordre de 35%, 30 à 35% de ruraux, donc le monde, c'est-à-dire que les données traditionnelles de du berbère, si vous voulez, sont en profond remaniement. Donc il y a là une urgence aussi, pour des raisons, je dirais, sociologiques, hein, tout simplement. Hein, une menace, risque de disparition pour beaucoup de parlers, mutation très profonde des sociétés berbères. Et aussi, je crois, moi j'insisterai beaucoup là-dessus, ça me semble être une condition pour la réussite de du développement et de l'implémentation de l'enseignement du berbère, de tamazir, toute la mazir, comme vous voudrez, dans la mesure où je pense que dans une situation d'aussi grande diversité, l'implémentation sociale, le développement, la promotion du berbère ne pourra pas se faire sans, je dirais, l'adhésion, la participation et l'adhésion des locuteurs, hein, là où ils sont, c'est-à-dire principalement dans ces régions berbérophones, et sans intégrer, hein, peut-être pas dans son détail, mais sans intégrer de manière plus équilibrée que nous l'avons fait sans doute jusqu'à maintenant, cette variation. Hein. Je dirais que l'aménagement, l'enseignement du berbère, la promotion du berbère, à mon avis, ne peut se faire qu'en intégrant très fortement, hein, cette variation qui, finalement, est une richesse et qui, surtout, nous amène à revoir souvent complètement, hein, notre image, non seulement des variétés régionales. Je vous dis, pour moi, maintenant, l'image que j'avais du Kabyle avant 90 et maintenant est totalement changée, hein, du simple fait que j'ai été amené à voir des travaux sur la Kabylie orientale. Je ne sais pas si Massini Sagaraoui est là, mais ces textes, la Kabylie extrême orientale, objectivement, ne sont pas du Kabyle, hein, au sens que nous donnons traditionnellement à ce mot. C'est-à-dire qu'un Kabyle de Grande Kabylie ne les comprend pas. Il faut être tout à fait clair là-dessus. Il ne peut pas les comprendre sans une exégèse, sans, etc. Hein. Je vois mal comment on pourrait réussir un processus de promotion et d'implémentation sociale de la langue berbère si on n'associe pas les populations sur le terrain,
hein, et la seule façon de les associer, c'est de prendre en compte leur particularisme. Voilà, je vous remercie. يا جني رب أطلق الضم يا فضل.